Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Je ne pouvais pas me taire sur ce sujet très 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 pitoyable, très très décevant et très très dommage. C'est désolant mesdames et messieurs, je vous jure c'est désolant. Vous savez, c'est ce que je ne cesse de vous dire. Je ne cesse de vous dire que la quasi-totalité de l'intelligentsia guinéen est dans le ventre. Et c'est ce que ces hommes de culture, ou ces pseudo-hommes de culture, censés vendre l'image de la République de Guinée d'une certaine manière, ont fait montre devant le peuple et en face du monde. On ne peut pas imaginer que ces hommes de culture ou des pseudo-hommes de culture, c'est-à-dire toute une institution, la culture guinéenne, quand on dit des artistes, ça veut dire tout, ça résume tout, les artistes, ça résume tout. Ce sont eux qui se sont déplacés, allés au ministère de la culture, pour aller réclamer leur part de sac de riz que le colonel a donné. Donc, le colonel a donné des sacs de riz comme Sunarati, rupture, aux artistes. Et ceux qui sont allés représenter les artistes, ils n'ont pas dispatché comme il fallait. C'est un symbole, c'est un signe que le colonel a fait. Pour dire, nous vous encourageons. Tenez ça. Et entre vous, c'est comme des félins. Ils ont pris leur proie. Et là, ils se sont acharnés là-dessus. Ceux qui étaient là, ils ont bouffé tout. Et les autres en colère sont allés au ministère de la Culture pour réclamer ce qui leur est certainement dû. Mais ce que moi j'ai envie de dire, vous avez fait honte à la Guinée. Vous avez vendu la Guinée, mais de la manière la plus honteuse possible. Non, c'est pas comme ça on veut que vous vendez la Guinée. C'est pitoyable. C'est là que vous comprendrez, chers frères, chers compatriotes, que la Guinée a encore du chemin à faire. La Guinée à fond. Le problème guinéen, c'est un problème fondamental. Le problème guinéen, c'est un problème de fond. Mais les hommes de culture, qu'est-ce que vous avez à foutre dans la mendicité? Vous qui êtes censé honorer la Guinée. Si le colonel a donné des sacs de riz, j'ai même honte encore à le dire, des sacs de riz, d'autres ont bouffé. Mais restez chez vous. Restez chez vous. Des sacs de riz, 300 000 francs guinéens. C'est là, chers frères, chers compatriotes, vous devez comprendre que le peuple de Guinée est mentalement pauvre. Le peuple de Guinée est intellectuellement pauvre. Le peuple de Guinée est culturellement pauvre, socialement pauvre, économiquement pauvre, politiquement pauvre. Nous sommes pauvres dans tous les sens de la vie. Bon sang de Dieu. Je ne vais même pas m'attarder un peu sur ce sujet-là. Mais sincèrement, j'ai honte à le dire. J'ai honte en faisant cette petite vidéo. Merci beaucoup. Partagez cette petite vidéo au maximum. Sincèrement, c'est honteux. Oh non, c'est honteux. C'est honteux. Nous sommes... Non. Bonsoir. Je vous aime, à ce soir, Inch'Allah. On va faire une autre émission, mais ça, on va pas débattre ça très longtemps. Non, c'est honteux.